Et puis, salut tout le monde, c'est Speedy sur Titanfall. Comme vous pouvez voir, je suis déjà rendu Steam. Ça va être, désolé, c'est juste pour plaisir. Ça va être une petite vidéo de peut-être 2-3 minutes, juste pour vous montrer, puis vous expliquer. Voilà, je suis rendu niveau 50, Prestige ou Génération 4, comme vous l'appelez. Et puis voilà, quand vous arrivez à 50 et vous avez fini vos petits défis de condition génération, comme moi, ben, vous pouvez générer. Et je vais vous montrer la petite génération si vous l'avez jamais vue. Bon voilà, c'est juste pour moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois, alors voilà. Et il vous explique ça, il dit passez génération 50, si on perdait tous les éléments. Et puis voilà, vous gagnez 150%, et puis tatatata, voilà, j'ai dit oui. Et puis vous êtes sûr, il vous confirme. Il a dit c'est votre dernière chance, oui, je passais la dernière. Et puis voilà, vous. Là, ce que je vois cet écran-là, je me dis, mais nous, on est... What? C'est quoi ça? J'espère... Attends, c'est une blague, là. Quand je vois ça, je me dis, ben nous, on est un robot, techniquement, parce que, voilà, on fait pas ça pour booter, genre, normalement. Ah, bah, ok, j'ai eu peur. Bon, voilà, quand vous passez niveau 5, je vous donne quelques nouvelles cartes. Et puis, moi, ils m'ont donné beaucoup, et voilà, moi, j'ai tout ça. Bon, c'est juste que voilà, j'en ai 70 ou 74. Je pense que c'est 64 avant. Bon, à chaque fois que vous changez de génération, je pense que les atouts augmentent. Et je commence à jeter quelques cartes là, ça me sert pas à grand chose. Puis voilà, oui, j'ai tout ça. Puis comme vous pouvez voir, je débloque mes défis au niveau 4. Bon, je peux pas vraiment vous les montrer. Je peux vous montrer, regardez, comme vous voyez, on recommence tout au début. Et puis voilà, on recommence avec la base. Et voilà, quand vous débloquez. Et niveau 5, vous gagnez 150%. Alors c'est x1,5 de ce que vous gagnez. So, normalement, si vous faites 10 000, si un défi vous rapporte 10 000, vous faites 15 000. Alors voilà, c'est comme ça. C'est juste pour vous montrer la petite cinématique, qu'est-ce qui arrive si vous générez tout ça. Parce que je sais pas si plusieurs personnes l'ont vu. So, voilà, des personnes qui cherchent comment comprendre c'est quoi la génération et tout ça. Parce que moi, je vous le montre. C'est juste une petite vidéo comme ça. Bon, pour Titanfall, ça sera tout. J'ai pas envie, voilà, de faire 5 générations. Vous en voyez, parce qu'il y a problème. J'ai fait 12 vidéos. Alors voilà, ça va être un peu long de faire 60 vidéos pour les 5 autres. Et puis voilà, ça va être un peu dur pour moi. C'est pas un peu dur, mais c'est vrai, ça va être un peu long, puis un peu chiant. Et voilà, juste vous le montrer comme ça. Parce que certaines personnes sont toujours restées 50, première prestige. Je dis ça sert à quoi d'aller plus loin puisque voilà j'ai toutes mes armes débloquées puis voilà. Moi je dis rien, moi je dis bon, moi je suis pas contre eux, je suis pas avec eux. Et je me dis bon, tant qu'à avancer j'avance puis voilà, c'est juste faire le jeu, c'est pas le but de rester 50, voilà. Je sais que ça débloque rien, c'est juste c'est moi qui veux le faire. Et voilà, c'est juste pour vous montrer comme ça. Je vais pas faire toutes les prestiges parce que ça va être beaucoup trop long. Et voilà, ça va être beaucoup trop. Et premièrement, ça va être beaucoup trop long. Et deuxièmement, je vais être déjà tanné du jeu avant même que j'arrive le prestige, je dis, désolé. Et puis voilà, c'est tout. Je vais pas vous montrer plus. Et puis voilà, juste vous montrer que la prochaine vidéo, bon, on retourne la boutique, les intros, les options, les génériques, tout ça. Et puis voilà, je vais vous montrer que, comme quoi, j'ai déjà Need for Speed d'installer. Et que je vais vous l'envoyer sur la prochaine vidéo parce que voilà, je vais créer une autre liste de lecture pour moi. Et voilà, ça sera tout. Ouais, déjà du temps de jeu 76 heures. Déjà, ça fait 3 jours. C'est comme si je jouais 3 jours et 4 heures non-stop. Ben, non, pas vrai. Et puis voilà, lui, j'ai déjà fait quelques vidéos. Lui, je vais même pas y toucher. On me l'a donné gratuit quand j'ai ouvert mon compte origine. Alors, bof. Et puis lui, je l'ai acheté. Lui, je l'ai acheté. Bon. C'est pas un gros problème. Bon, c'est tout. C'est pas que je voulais vous montrer que voilà la prochaine vidéo Need for Speed Rivals. Une bonne carte graphique, ça va être le fun à ce que je vous dis. Parce que voilà, j'espère que je peux vous le montrer. Regardez, moi j'utilise plutôt ce programme-là pour. Désolé parce qu'il est ouvert sur l'autre. J'utilise plutôt ce programme-là pour, voilà, regardez, processeur, RAM, carte mère, carte graphique. Voilà, c'est pas un ordi que j'achète, c'est moi qui a monté mon propre ordi. Alors, comme vous pouvez voir. Moi, mon clavier, ma souris, comment on appelle ça? Une mousepad.
Une tapis de souris, oui, j'avais oublié le mot. Et mon casque, c'est tout Razer. Pour moi, c'est ma compagnie préférée. Bon, à ce qu'on me dit, bon, allez, va voir plus en haut, Mad Cats ou quelque chose comme ça. On m'a dit toujours aller plus loin. Ouais, Razer, j'ai jamais eu de problème, alors bon, chose comme ça. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, c'est un bon ordi que j'ai build. Et puis voilà, juste pour vous montrer avec quoi je run, avec quoi mes jeux run. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai deux écrans. C'est sûr que je peux pas vous le montrer parce que là, si je bouge, par exemple, regardez, je regardais juste prendre la souris, hop, elle va passer de l'autre côté de l'écran. Vous voyez, j'ai comme ça duplique pas l'écran. Bon, c'est tout. Et puis voilà, c'était Speedily pour une petite vidéo comme ça, vite fait, de Titanfall. On se retrouve sur Need for Speed Rivals dès ce soir. Au revoir tout le monde. Ciao.